On commence direct par le fait que ça fait 3 ans qu'on est en Nouvelle-Zélande. J'ai trouvé que c'était le bon moment pour faire une petite vidéo des choses que je n'ai pas mis dans mes vidéos. Donc il y a eu 3 étapes dans ce petit voyage. Le premier c'était le bateau, vous allez voir. Le deuxième c'était le vélo. Vous allez comprendre que à la fin en fait on a cru qu'on avait fait le tour de l'île, mais en fait non du tout. Tu as cru. J'ai cru, c'est vrai, que c'était le tour de l'île, mais en fait c'était une petite partie. Et la troisième, bah, il n'y a pas dans la vidéo, mais c'est... On a fini à se lever à 5 h du matin pour quitter l'île. On est passé par la plage, il faisait nuit, les chiens nous suivaient, on avait un troupeau de chiens derrière nous, on nous a flippé. Voilà, c'était une petite île des Philippines qu'on a fait pendant bah, une journée, mais c'était assez drôle. Donc je vais finir par un petit bonus avec Ropé et Nata. On était dans le bus, voyage retour pour une autre île. Et là, c'était le craquage. Après 6 heures de bus, on a été parti dans la jungle juste avant. Et voilà, c'est juste magnifique. Je vous laisse regarder. C'est parti, bon visionnage. Ah le craquage quoi. Mec, en 6 heures on a fait le tour. C'est du n'importe quoi. Donc remettons dans le contexte l'histoire. Ça fait genre. Ça fait 4 h 30 qu'on prend le bus. On n'en peut plus. On a fait 6 heures de bus hier. On a marché 3 heures dans la jungle aujourd'hui. Et là, on est sur des places
Vas-y, assieds-toi, repais. On est sur des places. De nains. On est sur des places de nains. On n'en peut plus. La qualité, c'est de la qualité de merde. Ça colle. Je suis un malade mental. On transpire des fesses. Les mecs qui tournent là dans des pompées, dans des tourments, dans la montagne. Non mais là c'est la... Alex voulait dormir il y a deux petites minutes, il a pas résisté. Donc sinon en... Là je suis en train de trouver en fait, c'est pour ça que... Et le problème, on n'est pas sûr d'avoir une chambre ce soir. Là, on ne sait pas. La question est... Parce que là la question se pose... Et on mange où? Sinon... Ah ouais, moi j'ai faim. Hein. Moi j'ai grave la dalle. Mais là, la question se pose que si on n'a pas de chambre ce soir, on a du mal. On dort par terre. Moi, je prends le van avec Rompé. Je prends pas à bouffer. On trouve pas à fumer. On n'a plus de clope. On a de la thune. On va pas être fier. J'avoue, on prend le van, on se casse. C'est un scout. Vas-y, il est beau le scout. Je prends pas les couilles de moi, on va faire de la plongée et tout. Fais-moi dans ces 4 heures de trajet, on est passé de l'idée d'un resort ou bête d'hôtel avec une douche chaude à un dortoir avec une commune. Sachant qu'il faut savoir qu'ici, après avoir fait ça, il y a une douche chaude. Voilà. Déjà, nous espérons sur les revues à la baisse. Donc là, ça vibre un peu parce que tout simplement, le chauffeur ne sait... Il sait pas qu'il sait pas conduire, c'est que c'est un putain de pilote. Et encore plus. Voilà, on s'envole, c'est tout. Ouais. Regardons les sièges. Juste les sièges. Bon. Bon allez, fin de la vidéo.